bisonyeso to s'abonner massivement na Ferouge TV, Ferouge TV, Ferouge TV base. Je marchais dans le noir, comme la veuve. Voilà, bonjour, bienvenue à Ferouge TV. Ils ont votre tonton, votre animateur, Elika Mama. Tous ça va sur place dans 51 pour assister. Maintenant, on écoute là qui l'un de nous, l'une de nous plutôt, Angélique Madeleine, donc chroniqué sur Koufaki. N'a pas son robot, donc nous tous voyez bien vraiment admirer. Tous ça, peut-être 51 de vous assister la dernière la funéraille. Abonnez-vous à la chaîne Ferouge TV, partagez les liens et aussi likez et commentez. Parce que la chaîne a besoin de toutes les informations qu'il faut pour na matin à Oyo Angélica. Tout va se passer ici, juste pour informer, mais pour que vous en actualité. Donc, on se ressent les maars, ben interview. Bah, et maintenant que c'est passé, na kati à matin à Oyo, vous êtes toujours na, au courant dans votre cas, votre chaîne Ferouge TV, Azar disponible pour que. À servir de nous informer comme il faut et en temps réel. Salut mon boss et ma patronne, Nathalie Loko de Luxembourg, maman Némi Léa Makassi. Salut les boss avec Dachou et Weston Amare, l'homme qui tient la caméra avec une bonne qualité. Voilà, tout ça en pleine réalité. Il y a madame Angélique Abdelena, donc, il y a 50 ans. Même si on a Simonanga, ils ont déjà battu à plein. Il y a plusieurs collègues qui ont sur place. Mais autre déploré est que ce que ça madame. Il y a musicien, il y a comédien ou bien artiste, il y a ma boîte qui est au monde. On va voir beaucoup de chroniques. Je vais renommer Yaka. Mais depuis que maintenant, pour filmer Madeleine, si c'est pour le monde, même pas sans chroniqueur, basate, on se demande pourquoi, pour aller plus voir chroniqueur, c'est pour l'humanité. Vous êtes tout au thème, tout au thème. Donc, maintenant, les bandits, on a vu sur vos informations, tout ce qui va se passer, que l'homme nous a dit la sinistère, ou que vous allez informer. Suivez-moi. La mort de notre fille, de notre sœur, de notre nièce, de notre mère, de tout ce qu'elle était pour nous. Nous ne pouvons que vous dire merci. Et nous recommandons ce moment entre tes mains saintes. Père,
que ta présence se manifeste en ces lieux et que tout soit pour ta sainte gloire. En ton nom, nous devons vraiment cette reconnaissance. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Tous allez qu'on va dans le programme ma vie, tous allez dans le bini, tu m'y ébédé, pensate. Tous allez d'abord biographie. Il y a Mouwei, tous allez dans une petite exhortation qui sera dite par notre pasteur. Je crois que qui sera là d'un moment à l'autre. Jésus. Et après la petite exhortation, que je le trouvais, je tournais nous allons avoir des témoignages, du moins avec trois personnes. Une personne de la famille, je fixe mon avenir, une personne des amis et connaissances, et une autre personne de la corporation YouTube. Car j'aime écouter ce après cela, je crois que tout celui qui a une gerbe et des fleurs qu'il va déposer devant la dépouille pourra s'enregistrer auprès de notre frère Zizina qui est de l'autre côté. Zizina ou Jesus. Donc, celui qui veut déposer une gerbe des fleurs doit d'abord s'enregistrer et nous allons. Bien, nous commençons par la biographie de notre regrettée sœur, nièce, fille Agnès Kafindo Kalwa Ange qui nous a quittés. Biographie de Madame Ange Agnès Kafindo Kalwa, dit Mireille. Elle est née un certain 8 octobre 1982 à Moba, dans la province de Tanganyika. Fille de Frédéric Kalombe Kisinde, qui est originaire du Grand Katanga, et de Madame Antoinette Musikila Munzemba, originaire du Congo central, dans le territoire de Madimba, Angoufou. Elle est quatrième d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons ici présents. Arrivée à Kinshasa vers les années 1985, suite aux guerres de Moba 1 et Moba 2 qui ont sévi la grande province de Katanga. Elle a fait son école maternelle au complexe scolaire Lembo, dans la commune de Kasavubu, où il a veillé avec au moins 94% des résultats. Au cycle primaire, elle a fait son parcours au complexe scolaire Kayala, où elle décrocha son certificat d'études primaires avec distinction. Pour son cycle d'orientation, elle le passa au lycée Molende de Matete. Suite au changement d'affectation de son regretté papa, Madame Agnès Kafindo Kalwa poursuivit ses études humanitaires à l'Institut Technique Commercial de la Révolution à Bumbu, en sigle ITCR Bumbu de la communauté baptiste du Congo, Bumbu 1, où elle décrocha avec brio son diplôme d'État en technique commerciale et administrative. Après une tentative à l'École nationale des finances, une sigle qui n'a pas abouti, elle s'est lancée rapidement dans les affaires qui lui a pressé, ou c'est plutôt, à se déplacer pour l'Angola. Comme si cela ne suffisait pas, elle a commencé à faire des navettes entre Brésil, Angola et Kinshasa. Entre Angola et Kinshasa, elle s'est distinguée dans les importations des huiles végétales, des ciments et autres. Actuellement installée à Kinshasa depuis quelques années, la mort l'a surpris suite à une hémorragie post-partum, laissant derrière elle 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Il y a lieu de préciser que 3 enfants vivent au Brésil et 3 enfants ici à Kinshasa, dont les nouveaux-nés y compris.
le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que seul son nom soit glorifié. Repose. Voilà, nous posons mon arrêt aux arts, cinquantenaire, mais ils ont air à ma jambe des fleurs. Tout le monde est une famille qui signe, les nerfs ont déposé jambe des fleurs, famille à Maman Angélique, donc il y a beaucoup de personnes sur place, là, sur le lieu, tout le monde est journaliste, tout le monde est la presse, tout le monde est Paul Mukendi, tout le monde est justement Bélé, vous avez le bazar, ils ont tous sur place, donc il y a vraiment cassé. Pendant 30 ans, tout le monde est déjà déposé la jambe de fleurs, vraiment. Nous continuons pour informer, nous prenons toujours des informations, il y a sûr, parce que Feu Rouge TV est toujours présent pour informer, pour qu'il y ait des informations, il y a ce qu'il y a solo, il y a le côté, mais il y a original. Donc il y a original. Bon, mon arrêt n'est pas dans les cas, vraiment. Mais c'est belé, plein à craquer, mon boulot des ordres, donc mon boulot. Donc voilà, la vidéo, c'est la souk. Et Feu Rouge TV a pour informer nous en temps réel. Bon, je suis interviewé, mon souci, là, mon touche, là, c'est Kabolanda. Voilà, mesdames et messieurs, tout ça en souk à matin en abisso. Donc, au moins, déjà, lever corps pour qu'il y ait enterrement. Les séances s'est bien passées, les dents s'est bien déroulées. Tout le monde trouve les traits des autres. Et vraiment, Batoazaki n'a présence, la douleur au centre, comme on a Angélique, Monica, Madeleine, Akei, Karaboué, mais ça n'y passe. Tout le monde est bébé. Et avec vous, Nabisso, donc, est dans le cimetière en nécropole pour que tout le monde ait une image. Et pour moi, on est déroulé Kokunda, Moudolinara Ming, votre chroniqueuse, Angélique et Madeleine. Vraiment, restez branchés sur la chaîne Feu Rouge TV. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez les liens, likez et surtout appelez tous tes proches à s'abonner à la chaîne Feu Rouge TV. Quant à moi, votre tonton Eldika Manga, je suis avec vous et on se voit. Come on.